Dynamiser et revitaliser l'offre culturelle dans la ville blanche, c'est le pari que s'est lancé Leïla Mézienne. Cette nouvelle structure a pour ambition de jouer un rôle de premier rang dans la reconnaissance du patrimoine national marocain et dans son rayonnement. Le projet, il est né depuis quelques années. J'ai commencé à penser à faire un musée. Et c'était pour pouvoir exposer tous les patrimoines marocains. Et donc, il y a le patrimoine citadin, avec les villes les plus importantes, que c'est Fès, Meknès, Essaouira, Tanger, Tétouan, c'est le plus important. D'une architecture moderne et contemporaine, imaginée par l'architecte Tarek Ouellelou, le musée sera construit selon les standards internationaux en matière de construction et d'aménagement de musée et composé de 6 étages et de 2 sous-sols. Plus gros musée casablancais, ouvert sur la ville, avec une architecture contemporaine et radicale, et qui j'espère sera une attraction pour le cœur de Casablanca. Le musée situé à 2 pas de la cathédrale de Casablanca dévoilera les plus belles œuvres de la collection privée de Leïla Mézienne. Des œuvres qui, selon elle, sont le fruit d'une culture entre amézir et citadinité, entre passé et présent et entre tradition et modernité. Une riche collection qui nous sera donnée à découvrir dans moins de 2 ans quand le musée ouvrira ses portes.